et 0 point. Voilà. Donc, vous pouvez jouer le. Voilà. Donc, une petite prévision de ce qui va arriver après. Tu as enfin compris comment Préparez-vous à fonctionnaient les répondre. points sur Pardon? K-out? Tu as enfin compris comment fonctionnaient les points sur K-out? Oui, alors finalement, donc il m'a fallu, voilà, donc c'est pas le premier K-out que nous faisons, voilà. J'ai finalement, non, en fait, pas spécialement, en fait, non. Mais en gros, il faut avoir les bonnes réponses, et puis en plus, c'est la rapidité qui compte. Et donc, effectivement, il y a un commentaire dans le chat comme quoi, des fois, on se fait déconnecter, et c'est le problème, mais... Donc des fois on se fait déconnecter du K-out et à ce moment-là il faut recommencer depuis zéro. Mais bon, juste pour vous rassurer, évidemment le but n'est pas de, enfin évidemment le but est d'essayer de répondre correctement aux questions, mais c'est pas très compétitif. Je sais pas ce que tu en penses, Olga. C'est pas, c'est voilà, Ça c'est un dépend des gens. jeu qui Il y a des gens accompagne une qui. discussion. Oui, c'est sympa de jouer juste comme ça. Après, il y a des différents types de gens, les gens qui jouent pour jouer, les gens qui jouent pour gagner. Moi, je suis plutôt de deuxième cohorte, mais ça dépend des goûts. Oui, c'est pour ça qu'on est obligé de te prendre comme animatrice, parce que sinon, sinon tu gagnerais tous les jeux, ce ne serait pas possible. Mais j'ai déjà joué, j'ai eu la chance de pouvoir jouer à Astigmat quand vous avez fait un Astigmat avec une mathématicienne américaine, Amy Wilkinson. Et Ouais. j'ai pas gagné, mais j'ai quand même pris du plaisir. Donc pour les gens qui aiment gagner, je Ah, trouve très bien. que c'est quand même aussi beaucoup plus plaisant de jouer et de perdre que de pas jouer du tout. Parce que Très bien. c'est génial, Astigmat, j'adore. Très bien. Bon, Bruno, Bon, est-ce on que peut on peut-être... commence à lancer le jeu? Qu'est-ce que tu en Oui, penses, peut-être Bruno? refaire un dernier appel. Si vous n'avez pas encore, si vous n'avez pas encore connecté votre navigateur sur kahoot.it ou si vous n'avez pas encore téléchargé l'application Kahoot sur votre téléphone, sur l'Apple Store ou le Google Store, c'est le moment. On vous laisse encore quelques secondes. On va en profiter pour reparler du fait que ce Kahoot, évidemment, se fait à l'occasion de cette journée internationale de Pi, mais aussi du festival Les mathématiques dans tous leurs états, organisé par l'association Les maths en scène, qui va se poursuivre durant la semaine, et dont Olga nous parlera tout à l'heure. Voilà, alors bah, oui, je pense qu'on peut commencer. Vous êtes d'accord? Hugo, Parfait. Olga? Oui, je peux parler un peu des maths en scène, si vous voulez, maintenant. Et oui, alors je lance peut-être le Kahoot, histoire Ah oui, qu'on ok. puisse se connecter sur le code PIN. Et pendant ce temps-là, tu peux y aller. On Super. t'écoute. Donc voilà, on va connecter Kahoot et je vais vous parler du festival. Donc le festival matin, les maths dans comment ça s'appelle, dans tous leurs états. C'est un festival organisé par l'asso Maths en Scène qui a été créé en 2016 et c'est la cinquième édition du festival. Cette année, le thème du festival, c'est mathématiques et société. Et nous proposons ce quiz à stigmates mathématiques et culture parce que culture, ça fait une place importante, ça prend une place importante dans la société. Et chaque année, il y a un thème. En 2017, c'était maths et langage. En 2018, maths et mouvement. En 2019, jaune. Ensemble maths et en 2020 mettons en scène les maths. Et voilà, cette année c'est maths et société. C'est un festival qui est international. Il se base à Toulouse. Il y a beaucoup d'activités pour les scolaires, pour les élèves à l'école. Il y a aussi les activités nationales. Et cette année, avec la situation, on a aussi pas mal d'activités en ligne, notamment la chasse au trésor qui a commencé le 5 mars et qui continue aujourd'hui et va continuer encore quelques semaines. Donc c'est un festival avec plein d'activités. Il y a des ateliers, il y a des conférences, il y a des spectacles de théâtre, mathématiques. Donc il y a plein, plein de choses. Il y a un énorme ensemble des personnes qui sont engagées dans ce festival, des mathématiciens, des mathématiciennes, des professeurs de mathématiques, des artistes, des designers, des écrivains, écrivaines, plein, plein de gens qui aiment les maths et les partagent de différentes façons. Je pense qu'à la fin de notre quiz, il y aura Ourya Lafrance, qui est la présidente de l'association Maths en Scène, qui pourra me dire peut-être quelques mots en plus par rapport à ce festival. Je peux dire aussi que cette année,
L'association, elle a eu un prix d'Alembert, Lambert, qui est un prix de la Société mathématique de France, qui récompense des belles actions de vulgarisation en français, initiatives qui partagent les mathématiques avec le grand public et avec des scolaires. Donc, félicitations à cette association pour ce beau prix de cette année. Oui, c'est un super prix de la SMF. Donc, c'est une initiative qui dure déjà depuis 5 ans et a beaucoup de succès et apporte beaucoup de bonheur aux élèves à partir de, je pense, CM2 et jusqu'à plus que 100 ans. Très bien, ben, merci pour la présentation. Merci, Hugo, Olivier. qu'en penses-tu? On peut commencer? Bon, je pense qu'on peut commencer. Peut-être que est-ce que tu peux juste montrer le bas des participants pour que tout le monde puisse vérifier que son pseudo est bien à l'écran? Parce que je vois dans le chat qu'il y a des gens qui sont un peu stressés de savoir si leur pseudo est dans le est bien à l'écran. Donc normalement, il devrait y être. Je vois que Bruno, tu arrives à jouer en même temps. Non, le faux Hugo est de retour, tu as vu? Le faux Hugo, mais typiquement c'est bien de mettre le faux Hugo parce que là on sait du coup que c'est pas moi. Mais voilà. N'ai pas vu de Bruno, tiens. Si, il y a un Bruno. Alors, Bah, comment ça? Il y a un Bruno même avec un bras très fort. ah, Fait, c'est parce majuscule. qu'il y a la fenêtre caoutchouc qui doit le cacher, je pense. Ah oui, il y a même Einstein qui est arrivé. Bon, absolument. Bon, Bon, bah allons-y, non? on joue de l'au-delà. Oui. C'est bon Allez. pour le son, c'est pas trop fort? Bah, on l'entend pas en fait. Ah, vous l'entendez pas? Non, Alors peut-être le mettre un peu quand même, c'est parce pas que trop ça fait fort. partie du. En Ça fait particulier. partie du jeu. Bon, ça marche pas, on verra bien. Ok. C'est parti. C'est parti. Alors Hugo, tu fais la première question? Ça marche, c'est parti. Alors, c'est parti, mais c'est parti comment? Début. Je pense qu'il faut appuyer sur début. Elle est là, voilà, je ne le voyais pas parce qu'il y a toute fenêtre partout. Allez, c'est parti pour ce test. Okay. La première question, elle va être simple, car on va essentiellement vous demander votre âge. Mais Et bien répondez vite, sûr, hein. bien sûr, vous pouvez mentir. C'est juste pour d'abord vous familiariser avec l'application. Alors, il y a une question dans le chat, il faut répondre où? J'avoue, comme je ne suis pas en train de faire le jeu en même temps, normalement, sur le téléphone. Oui. Sur l'application Kahoot de votre Alors, téléphone. sur l'application. OK. On nous dit, il y a un rectangle vert. Voilà. Donc, nous avons effectivement une grande variété d'âges. C'est super, c'est parfait. C'est oui, il y a tous les âges. Tous les âges. Incroyable. Ça commence à 8 ans. Parfait. Parfait. Superbe, Ben magnifique. c'est un bon âge. Entre 8 et 69 ans. Voilà. Oui. On dirait ce qui est marqué sur les jeux. Bon, très bien. Eh Prochain. ben, allons-y pour la première vraie question, maintenant que vous maîtrisez un petit peu l'interface. Mais on n'entend pas la musique. Moi, en tout cas, j'entends pas la Ouais, musique. j'arrive pas à la mettre. Moi, je l'entends dans mon casque. Oui, Je vais dans voir. notre tête. Oui, je suis d'accord. Alors, une petite question quiz. Ah, oh bah, Hugo, je te la laisse la lire. Tiens, comme ça, j'essaie de régler le son. D'accord. La sculpture suivante de Bathsheba Grossman s'appelle 600 cells, ou en anglais 600 cells, parce que. Et vous voyez évidemment une image de cette sculpture. Voilà. Et il y a donc quatre réponses possibles. Alors ça, c'est un exemple d'une question avec une seule bonne réponse. Waouh, avec 31 réponses correctes, ça c'est assez impressionnant. Et personne n'a répondu, elle coûte 600 dollars. Oui, je ne sais pas combien elle coûte, peut-être un peu plus quand Ben même. non, ben je, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que donc, enfin voilà, je ne veux pas faire forcément de la pub
pour ça, sauf que les œuvres de Grossman sont vraiment très intéressantes. Mais en l'occurrence, elles coûtent 400 $ pour ceux et celles. Et vous pouvez voir ça sur Shapeways, ce fameux site qui vend toutes sortes d'objets imprimés en 3D liés aux mathématiques. Il y a beaucoup de mathématiciens et artistes qui créent des choses qui sont liées aux mathématiques. Voilà. Mais là, en l'occurrence, il y a 600 tétraèdres. Voilà. C'était un peu court pour les compter, évidemment. Mais en l'occurrence, il y avait 600 tétraèdres. Et je ne connais pas cette sculpture. Elle a quelle taille? Est-ce que c'est une petite sculpture ou plutôt une grande sculpture? C'est une bonne question. À mon avis, elle n'est pas toute petite quand même, mais moi je l'ai pas vue en vrai. Moi je l'ai vue qu'en image. C'est une très bonne question. Mais la sculpture qu'il y avait sur l'image de la, enfin voilà, c'est on retrouve ces sculptures. Il y a d'autres sculptures qu'elle a faites qui sont assez spectaculaires qu'on retrouve un peu dans les différentes, voilà, sur les différents sites de vulgarisation et d'art mathématique. Oui, ça a l'air compliqué à faire, tout cet adresse. J'imagine qu'il faut commencer par l'intérieur parce que sinon, ça ne sort pas. C'est compliqué à compter. C'est un peu compliqué à compter. Alors, regardons le podium. Alors, Nathalie Ebb prend la tête avec 930 points, suivi d'un Gauthier. Pas mal. Qui dans le chat prétend les avoir comptés? Très bien. Parfait. Voilà. Très grande rapidité au comptage. Ouais. Alors, question suivante. C'est Allons-y. parti. Vas-y, Bruno. Une question quiz. Quelle série possède un théorème à son nom? Alors, ça m'intéresse, moi, Futurama. C'est vrai, ça? Eh oui. Ah oui, ok, moi je ne connaissais pas du tout ça. En me considérant cinéphile, je ne connais pas du tout Théorème de Futurama. Bon, alors, on pensait avec Hugo qu'éventuellement certaines personnes répondraient Twin Peaks, puisqu'on peut imaginer évidemment un théorème avec à propos d'une fonction Double qui aurait sens. deux pics. Mais en l'occurrence, c'est le théorème de Futurama qui en fait plus, selon son auteur n'a pas trop envie de l'appeler théorème parce que c'est plutôt n'a pas le statut selon lui d'un théorème, mais c'est un théorème qui concerne les permutations et qui permet de résoudre un problème que les protagonistes de Futurama ont dans un épisode. En fait, ils ont inventé une machine qui échange les cerveaux, les esprits, mais le problème, c'est que quand on échange l'esprit entre deux personnes, on ne peut pas refaire le même échange. Donc, il faut forcément passer par quelqu'un d'autre et faire des échanges avec d'autres personnes. Et le théorème affirme que c'est toujours possible. Voilà, donc vous pouvez Il y a pas mal regarder. de liens quand même entre donc dans Futurama, entre les maths et Futurama, et entre autres, et aussi entre les Simpsons et les maths. Il y a un livre de Simon Sinek qui parle des mathématiques derrière les Simpsons, et aussi, je crois, quelque chose sur Futurama. En fait, ce théorème est un théorème de Ken Keeler, j'ai noté ça à l'avance. Et Ken Keeler est un des auteurs de Futurama. Ben voilà. Il a sa thèse, je ne sais pas s'il a fait sa thèse à Harvard ou s'il a fait son bachelor à Harvard. Je pense qu'il a fait sa thèse à Harvard. Dans sa thèse, il y a cette proposition qui apparaît et il l'a utilisée comme base pour un épisode de Futurama. C'est sympa, hein? Oui, les mathématiques, ça sert donc pour faire des films. Il faut noter Et cette. pour les séries, je Oui. pense que dans les séries des Simpsons et des Futurama, il y a plus d'un auteur qui est mathématicien ou mathématicienne. Tout à fait. Podium? Podium. Eh bien, Gauthier Gauthier qui prend la main. qui prend la main. Et qui a visiblement vu l'épisode, d'après le chat. Magnifique. Et Nina est quand même une belle remontée. Absolument. Alors, question suivante pour Hugo. Oh, ok, très bien, c'est parti. J'essaie toujours de régler le problème de son. Georgi Ligeti a composé l'escalier du diable en s'inspirant d'une œuvre de qui?
Alors, je vous ai mis, normalement, vous entendez un extrait de cette œuvre. Mais Non? ben non. Ah là Non, là. on n'entend pas la musique de Kaout ni malheureusement la l'autre. L'extrait de l'œuvre. Mais effectivement, 29 personnes, malgré le fait qu'ils n'aient pas entendu l'extrait de l'œuvre, ont réussi à répondre à la question. Alors pourquoi est cher? Peut-être que tu peux remontrer l'image, Bruno. Je dois pouvoir faire ça. Sur afficher le média, oui, parfait. Magnifique escalier. Je Alors. connais pas la musique, donc j'essaie d'imaginer ce sera quoi la musique qui ferait référence à cet escalier impossible. Et en fait, c'est quand on l'entend, moi je. Ce plaisir de l'entendre. Je vais essayer de vous la remettre, si vous l'entendez. C'est vraiment très évocateur. Vous l'entendez pas là? Non, malheureusement pas. Ah, mais je sais peut-être pourquoi. Alors je vais peut-être commenter peut-être un peu sur le lien entre Escher et les mathématiques. Bah, effectivement, donc il y a pas mal de liens entre Escher et les mathématiques. Escher était passionné par les maths et avait fait la rencontre et discuté même avec Coxeter, qui était un mathématicien, qui était son contemporain. L'avait rencontré, avait une correspondance avec lui pour essayer de comprendre différentes formes géométriques, d'abord euclidien et ensuite plus compliqué, hyperbolique, et s'est beaucoup inspiré de ça. Je ne sais pas si Olga veut rajouter. Oui, je pense à la base, il n'était pas du tout mathématicien, mais petit à petit, il s'est pris de la passion pour les mathématiques. Notamment, on connaît aussi ses dessins comme Anges et démons de Pavage avec les anges et démons qui sont très grands au milieu du disque et après de plus en plus petits vers les bords du disque. Et il a dessiné ça à la main et pour comprendre comment on les dessinait, pour réussir à les faire tous rentrer dedans pour que ça soit le plus joli possible, il a dû en effet parler avec des mathématiciens. Et dessiner des courbes qui sont des cercles en fait et aligner les démons le long des cercles pour qu'ils se rapetissent et deviennent que le dessin soit le plus beau possible. Donc c'est sûr que nous, des mathématiciens et mathématiciennes, on aime beaucoup Escher parce qu'il arrive à transmettre certaines idées mathématiques mais et leur paradoxe ou leur beauté d'une façon tout à fait impressionnante, comme par exemple avec cet escalier qui ne fait que remonter ou que descendre, en dépendant de où on regarde. Absolument. Voilà. Ah, là on entend, oui. Super. Voilà un extrait de l'œuvre de cet compositeur hongrois. C'est évocateur, n'est-ce pas? Alors il a aussi écrit un poème symphonique pour 100 métronomes. C'est une pièce vraiment petite. Et il a un peu touché à tout, il a aussi fait de la musique électronique et certaines de ses compositions ont été reprises dans les musiques des films de Kubrick, notamment la scène du monolithe dans 2001 l'Odyssée de l'espace, bien accompagnée de l'œuvre de Mais c'est marrant parce que justement, je trouvais que cette image, il y avait justement un peu un côté Kubrick. Oui, dans Les la musique aussi quand ils d'ailleurs. sont en antigravité dans 2001, je trouve que évidemment là, on est dans une scène sans gravité. Très Très bien, bien, on ben on va passe à voir la le prochaine podium. question. Impeccable, avec Gauthier qui garde la tête. Ah, une arrivée d'Eva dans les trois premières places. Alors, question suivante. Alors, c'est un multi-select. Plusieurs réponses sont possibles, pardon, à propos de deux auteurs. Alors, Ted Chiang et Greg Eden, ou Eden ont en commun quoi? Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont peut-être d'autres choses en commun, mais parmi ces quatre réponses, qu'est-ce qu'ils ont en commun?
Alors effectivement, il y avait deux fausses réponses. Est-ce que tu connais ces auteurs, Olga? Aucune idée, je vais apprendre beaucoup de choses aujourd'hui, je pense, dans ce quiz. Alors, Ted Aucune idée. Chiang, c'est peut-être le plus connu des deux. Tu peux remettre l'image, Bruno? Oui. Ce qu'on voit là, c'est une image du film Arrival. Oui, ce film, je l'ai vu. Donc c'est quelqu'un qui a écrit le scénario, c'est ça? En fait, le Arrival, c'est basé sur une histoire courte de Ted Chiang, Ok. qui est un, il vient de Long Island, dans le New York, mais il travaille dans le IT et assez, enfin, pas à ses heures perdues, mais parce que c'est un auteur assez connu, mais il écrit relativement peu. Il écrit des nouvelles courtes qui sont assez géniales, et dont une justement qui a donné lieu à Arrival, et une autre sur un monde dans lequel les maths seraient toutes fausses, en fait. Donc ça, c'était... Et ça, c'est ce qu'il a en commun avec Greg Eden, qui a aussi écrit un livre sur qu'est-ce qui se passerait si les mathématiques étaient toutes fausses. Peut-être tu peux enlever l'image pour qu'on regarde. Et la question de Eva, qui n'est pas mathématicien? Alors justement... Alors, Greg Eden, effectivement, c'est une très bonne question. Greg Eden a écrit au moins un papier de maths. Et voilà. Mais par contre, Ted Chiang n'est pas mathématicien. Il est informaticien, mais il s'intéresse aux maths. Voilà. Et puis, Greg Eden a la particularité de ne pas vouloir de photos de lui sur la toile. Donc, impossible de trouver une photo de lui sur la toile. C'est le Daft Punk de la science-fiction. Oui, mais c'est une bonne question, Eva. Comment on peut considérer si quelqu'un est mathématicien ou l'est pas? C'est une question compliquée. Même certaines personnes qui font de la recherche en mathématiques ont l'impression qu'ils ne sont pas assez mathématiciens. Absolument. Donc c'est une très bonne question. Et je pense qu'il ne faut pas dire que les gens qui ont une licence en mathématiques, ou je sais pas, sont mathématiciens. Bruno et Hugo, j'ai l'impression que quand vous avez fait des questions, vous avez pensé quelqu'un qui a une production mathématique, donc qui crée des nouvelles mathématiques, crée des théorèmes. C'est vrai qu'on était parti de l'idée que c'était des chercheurs en mathématiques. Peut-être qu'on aurait dû dire ce sont des chercheurs en mathématiques. Mais cela dit, je ne pense pas que, quelle que soit la définition, que Ted Chiang se considère comme mathématicien. Mais par contre, il s'y intéresse beaucoup. Ce que je trouve chouette, c'est juste pour dire, on n'a pas besoin d'être mathématicien pour s'intéresser aux maths. Et dans le film Arrival, moi, ce qui m'a frappé, c'est plutôt les théories plus neurolinguistiques sur le fait à quel point le langage définit la façon comment nous agissons et surtout notre façon de voir le monde. Parce que le langage des humains et de ces pieuvres énormes est très différent. J'ai oublié, il y a une théorie très importante neurolinguistique qui porte sur ces sujets-là. Absolument. Donc Mais c'est justement, aussi un dans peu de Arrival, il y a plein de choses. Il parle aussi beaucoup de physique, etc. C'est le principe de Fermat qui est le premier truc qui fait qu'ils arrivent à communiquer enfin voilà, le côté Voilà. universel de ces lois physiques. Alors, Hugo, je propose qu'on n'entre pas trop dans le principe de Fermat parce qu'on a encore pas mal de Ouais. questions. Allons-y. On s'est Allons-y pour emballé. voir Non, le. Gauthier mais reste en garde tête. la place. Reste. Mais on connaît ce Gauthier en plus. Alors, question suivante. C'est un nuage de mots. Vous devez répondre, taper votre réponse sur votre téléphone. Un peu de poésie. Que voyez-vous donc? Et donc, inutile de le dire qu'il n'y a pas de mauvaise réponse pour Quelle beauté. Alors, il y a une réponse principale. Ah oui. C'est intéressant. Qu'est-ce que la démocratie nous dira?
Olga, est-ce que tu te sens prête ou Hugo à faire une capture d'écran? Oui. Merci. Un plongeur. Alors, je ne sais pas pourquoi il est barré. Peut-être revoir l'image. Hop. Il s'agit effectivement, on peut y voir un plongeur d'idées, c'est pas mal ça. Des montagnes, un crocodile ou des crocodiles, un nageur. Alors, quelle est l'histoire de ce dessin? En fait, c'est un dessin qui accompagne un article plutôt historique ou philosophique à propos des courbes qu'on appelle les courbes de Jordan, qui sont des courbes fermées dans le plan, continues comme ça, qui ne se croisent pas, évidemment, sauf qu'elles sont fermées. Il y a un théorème célèbre qui lui est associé. Et donc là, vous avez une belle courbe de Jordan qui est un peu compliquée, suffisamment compliquée pour pouvoir y voir un plongeur et la mer. Oh wow, c'est une seule courbe, ça se dessine juste C'est comme ça en ne détachant pas le crayon du papier. exactement. Tu poses le crayon, tu dessines, tu te recroises jamais, sauf que tu reviens au point de départ. Donc la bonne réponse c'était un cercle, c'est ça ce qu'il fallait répondre. Que C'est tout ça. pour lui Non, il y avait plusieurs bonnes réponses. Il n'y avait pas de bonnes réponses plutôt. Qui est l'artiste, Bruno? Alors, l'artiste, c'est Madame Rossi. Alors, il faut que je me rappelle de son prénom. C'est une Fiona Rossi. Voilà. Fiona Rossi. Très Donc, vous bien. tapez, si vous voulez voir l'image, vous tapez Fiona Rossi, vous googlez Fiona Rossi, courbe de Jordan, et vous allez même avoir accès à l'article en question. Magnifique. Alors, je pense que le podium ne doit pas avoir changé, donc on passe à une question quiz. Ah, cette question était présente, je pense, dans la chasse au trésor sur Internet. Alors, il faut que quelqu'un la lise parce qu'avec la barre Zoom, j'arrive pas à la lire en fait. D'accord. Dans quel monde géométrique imaginaire se rend Sheldon Cooper lorsqu'il est stressé? Donc Sheldon Cooper, c'est un personnage de la série télévisée The Big Bang Theory. Il y a un indice dans la question, bien sûr. Bravo. Beaucoup d'entre vous ont répondu Flatland. Ça aurait pu être Wonderland, qui est un autre monde imaginaire, peut-être moins géométrique. Neverland également. Et pas le Luxembourg, enfin, Luxembourgland, qui est un journal luxembourgeois. Donc, Absolument. Flatland est un monde imaginaire. En fait, ça fait partie d'un récit écrit par Edwin Abbott, où on imagine. Enfin, l'idée du récit, c'est que tous les personnages vivent dans un monde absolument plat, donc un plan. Et les personnages sont des figures géométriques, un carré, un hexagone. Et donc, quand ils se déplacent, ben, en fait, ce qu'ils voient, c'est leurs bords. Et donc, il y a des bords qui sont plus jolis que d'autres. Et à un moment donné, un des carrés, un peu plus particulier, en fait, fait une rencontre avec une sphère à trois dimensions. Et puis, c'est le récit est basé là-dessus. Il y C'est un peu a comme si on une rencontrait des êtres de version. quatre dimensions, Bruno. Comment? C'est un peu comme si on rencontrait des êtres de quatre dimensions. Exactement, voilà. Mais Et donc, ça seulement permet un une peu de voir. petite partie de, pas en entier, juste une partie. Pardon? On ne pourrait jamais les voir en entier. On le Voilà, voirait, alors on verrait je pense que toujours. dans l'histoire, la sphère, elle est projetée. Hein, donc, on fait des coupes dans le plan de la sphère et c'est comme ça qu'il fait la rencontre de la sphère. Si vous vous intéressez à ça, il y a une version racontée, enfin un peu adaptée de Carl Sagan qui a été réalisée dans les années 80. Et on a la version avec la voix de Carl Sagan qui est absolument magnifique. Ça aussi, ça se trouve sur YouTube. Et donc Super. Sheldon Cooper, en fait, il y a un épisode de Big Bang Theory où Raj voudrait aller dehors, voudrait faire un tour dehors, et puis Sheldon lui dit, mais moi, quand j'ai envie de m'aérer, je vais dans Flatland. Et donc il se concentre et il va juste par la force de la pensée dans Flatland. Voilà. Tu l'as lu toi, Olga, Flatland? Non, j'ai pas vu je veux dire le Big Bang Theory ou le. Non, le récit d'Edwin Abbott. Non, non, je ne l'ai pas lu. Je pense que j'ai lu à un certain moment les extraits et j'ai un souvenir aussi que les hommes et les femmes, ce n'était pas pareil comme forme géométrique. Il y avait un truc,
sur ça. Bon, en tout cas, on dirait qu'ils n'ont pas besoin de la même porte d'entrée. Oui, comme si Effectivement, c'était le carré un peu de plus petite taille, oui, quelque chose comme ça. Et oui, sur Sheldon Cooper, j'étais en train de... j'ai pas vu non plus The Big Bang Theory, mais je me disais, c'est quand même bizarre d'aller se aérer dans le monde qui est un peu plus petit que le nôtre, dans un certain sens. Mais j'ai Mais réussi. Sheldon Cooper est un peu bizarre. Ah, voilà. Donc les gens nous disent les réponses. C'est ça, les femmes Oui, sont on des dit les segments. femmes sont des C'est lignes, ça. les hommes sont des polygones. Oui, bon. Voilà, c'est ça. Oui, Bref. Bruno, c'est un vieux récit. Pourquoi tu me suggères ces livres complètement scandaleux? Écoute. De toute façon, c'est quand on les regarde, c'est toujours une projection, donc ce sera toujours un segment de droite. Effectivement. Bon, allons voir le podium. Ben, Gauthier prend vraiment de l'avance avec 1000 points d'avance sur Raphaël. Eva remonte bien. Rebecca est toujours là aussi. Bravo. Question suivante. Une question quiz, une seule réponse correcte. Tu arrives à lire, Bruno ou... Bon, je préfère là, en l'occurrence, aller. Vas-y. Ok. Alors, à Bristol, vous pouvez payer votre repas avec un billet illustrant un marathonien. De qui s'agit-il? Donc, on est d'accord qu'un marathonien, c'est un habitant de marathon, Bruno. Au départ. Au Au départ, départ. mais je ne suis pas sûre qu'on a des images des marathoniens qui sont bien sauvegardées jusqu'à nos jours. Non, non, Peut-être une c'est pas. sculpture. Effectivement. Alors, bravo. Bravo, oui. Il s'agit bien d'Alan Turing. Non, moi, j'ai un grand plaisir à parler d'Alan Turing. Vous le connaissez peut-être parce qu'il a fait l'objet son travail pour casser le code Enigma durant la Seconde Guerre mondiale a fait l'objet d'un film dont je ne connais d'ailleurs pas le titre. Imitation Game. Imitation Game. Merci, Olga. Mais ce n'est pas le seul de ces forfaits, puisque Alan Turing est aussi celui qui a inventé la machine abstraite, enfin une version abstraite de l'ordinateur, avant qu'on puisse en réaliser une version concrète, ce qu'on appelle une machine de Turing, sa machine abstraite. Il a mis en base, à la base, il a créé tous les outils mathématiques pour pouvoir concevoir l'ordinateur, comme on le connaît aujourd'hui. Voilà. Très Très bien. grand mathématicien du XXe siècle. Une Avec fin une... tragique, mais on en a déjà parlé. Oui, et d'ailleurs, dans ce film, il y a une scène où il court, et je trouvais ça dommage parce que dans le film, on a l'impression qu'il court juste pour se défouler des mathématiques parce qu'il travaille trop sur cette machine pour combattre l'Allemagne. Mais en fait, il aimait vraiment courir le marathon. Il était vraiment passionné. Je pense qu'il arrivait à le courir en moins de 3 heures, je pense 2 heures avec quelque chose. Ouais, C'était vraiment. exactement. J'ai en tête 2h52, effectivement. Oui. C'est quand même assez incroyable. C'est pas mal. Donc dans le film, si vous le regardez, il y a une scène où il court vraiment sérieusement. N'oubliez pas ça. C'est Toi, un tu de cours, corps et d'esprit. Olga? Hmm? Toi, tu Alors, cours, Olga? moi, non, pas aussi bien que l'Alan Non, Turing. mais pas Pas aussi vite comme et pas aussi souvent. Mais parfois, oui. parfois, d'accord. Allons-y pour le podium. Très bien. Il n'y a plus trop de mystère là, Gauthier reste en tête. Mais Rebecca et Eva s'échangent un petit peu la troisième et la quatrième position. Petite question quiz. Ah, qui a dit un jour j'irai vivre en théorie, car en théorie tout se passe bien? Celle-là, je n'ai pas besoin de la lire, je la connais. Très bien. Est-ce que tu penses que c'est Enjoy Phoenix, Olga? Franchement, moi, je pense que peut-être il me manque la culture générale. Je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais c'est vrai que moi, je l'ai déjà répétée beaucoup en France parce que je l'ai vue écrite et je l'ai trouvée très, très vraie. Et très, c'est une phrase, oui, dont on a besoin pour vivre parfois. Donc, je ne sais pas si c'était Joséphine Phoenix, je pense pas. Alors, c'était effectivement Pierre Desproges qui nous a sorti cette phrase apparemment très utilisée. Mais peut-être, moi, je trouvais que c'était une bonne opportunité, Olga, éventuellement de commenter. Parfois, on met en opposition les maths appliquées et les maths pures. C'est un peu ce qui se passe ici. En théorie, tout se passe bien, mais qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que ça se passe mieux en théorie, tu veux dire, ou sur Non, quel... mais est-ce qu'il y a vraiment... Enfin, c'est plutôt un commentaire sur l'opposition maths appliquée et maths pure que je te suggère
de faire. Moi, j'ai jamais fait de mathématiques appliquées. Je fais toujours des maths qui sont considérées comme les mathématiques fondamentales. Aujourd'hui, j'ai mangé avec des amis, ils ont des petits-enfants, et donc une fille m'a demandé ce que je fais. Je lui ai dit que j'écris dans un cahier et quand il est fini, je commence un autre. Mais je pense que les mathématiques fondamentales, et leur application, on peut les défendre comme c'est quelque chose dont on a besoin et qui va être utilisé peut-être 100 ans ou 200 ans plus tard. Est-ce qu'il arrive? On ne sait jamais. Dans l'intelligence artificielle, dans le machine learning, aujourd'hui, il y a des groupes de l'IA qui sont apparus quand même. C'est assez fou. Donc, il y en a besoin des maths fondamentales. Mais on ne sait jamais dans quelle pratique ça va s'éclore. Je pense que personnellement, et comme certains et certaines de mes collègues, nous, on fait les maths fondamentales, pas pour les appliquer, mais juste parce que ça nous fait plaisir et ça nous fait rêver. Et je pense qu'on n'a pas toujours besoin d'applications. Parfois, on a juste besoin de s'amuser et de faire des maths comme ça, sans aucune application. Et peut-être les applications viendront plus tard, mais je pense que c'est vraiment une application importante, en fait, de s'amuser, de réfléchir. Et on l'oublie parfois, mais c'est moi je fais ça souvent et ça me tient en vie. Donc je trouve c'est sympa. Mais il y a Thurston, juste à ce propos, il y a Thurston qui avait une phrase qui disait un truc qui était assez juste, je trouvais, qui disait qu'il y a une corrélation assez impressionnante entre les maths que les mathématiciens trouvent belles et leur utilité dans un avenir plus ou moins proche. Ça, c'est assez intéressant. Alors évidemment, on ne sait pas si c'est quelle est la cause, quoi. Si c'est le fait qu'on les comprend, qu'on les utilise ou qu'on les utilise parce qu'on les comprend, mais enfin bon. Oui, c'est possible qu'une fois on a créé un objet très très beau, on a envie d'en faire quelque chose, au moins une sculpture par exemple. Absolument. Très bien, Ça bah te écoute, suit, toi, non? merci. Pardon? Ah, non, non, rien. Parfait. Donc, Rebecca se maintient bien en deuxième position. Je pense que Gauthier et Raphaël étaient déjà présents sur le podium. Et donc, nous allons pouvoir passer à la question suivante, Hugo. Très bien. Alors, comment s'intitule cette pièce de Samuel Beckett? Ça, c'est une question qui nous a été donnée par Olga. Elle est super, cette question. Est-ce que tu arriveras à nous montrer l'image après, Bruno? La vidéo, oui. Le son, je crains. Ah, mais le son, ça devrait aller aussi. Mais déjà la vidéo, ça serait intéressant. Ouais, ce serait chouette. Ah, c'est plus serré comme score. Ah ouais, effectivement. Il s'agit effectivement de quad. Alors, avant peut-être de commenter, je vais vous passer un petit extrait. Et vous me dites si vous entendez le son. Alors, je la lance. J'attends juste un peu qu'il y a un événement qui va arriver. Voilà, donc Olga, tu en sais plus sur la pièce ou tu veux que je Je commente peux un dire peu? quelques mots, mais je ne pourrais pas tout écrire. Mais dans l'idée générale de ce que je sais, c'est que Beckett voulait faire une pièce simple où il y a quatre personnages et que pour chaque petit extrait, il n'y a jamais la même personne qui rentre, jamais qu'il y a, avec certaines règles très simples, pouvoir essayer toutes les possibilités. Donc, il a dû utiliser les mathématiques pour réfléchir chaque personnage, comment il bouge, etc. Et il a fait des maths pour pouvoir écrire cette pièce. En fait, c'est une question mathématique. Et après, mise en scène. Alors, de ce que j'ai vu aussi, il y a deux choses amusantes. Il a vu par après la pièce diffusée sur un moniteur noir et blanc parce qu'il était en train, le moniteur était en train d'être réglé et au ralenti. Et il a eu une vision. Il s'est dit, mais
on dirait les mêmes acteurs qui auraient marché pendant des siècles, ou plutôt des dizaines d'années, et qu'on revoit 10 ans après. Et il s'est dit, bah, tiens, je vais en faire une deuxième version, purement en noir et blanc et sans le son, et plus lente également, pour justement faire ce lien, comme si les acteurs avaient marché et continué à marcher tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'autre truc, c'est qu'apparemment, il avait cette idée de faire une forme d'expression qui irait indépendante du langage depuis plus de 30 ans avant qu'il ait réalisé cette pièce qui était tournée en fait dans les années 80. C'est une pièce télévisée, elle n'a jamais été, je pense, Joué au réalisée au théâtre. théâtre, en tout cas de son vivant. Et donc, elle a été diffusée dans les années 80 à la télévision. Voilà, Question dans le rigolo. chat, est-ce que vous savez combien de temps elle dure, cette pièce? Oui, alors elle dure à peu près un peu plus de 5 minutes, je pense. Et au départ, Beckett l'avait estimé à une vingtaine de minutes. Ça dépend évidemment de la vitesse de marche des acteurs et ce n'est pas fixé dans le livret. Et c'est pareil, dans le livret, ils mettent, je ne me rappelle plus si je crois qu'ils mettent que chaque acteur doit être accompagné d'un instrument, mais c'est tout. Et donc là, en fait, chaque acteur a son propre son de percussion. Mais voilà, la version 2 de Quad, il n'y a même plus de son. Excellent. Intéressant, hein? Très intéressant. J'aime bien ce genre de mathématiques décalées. Ça permet à Nina d'arriver en troisième position. Bravo Nina. Alors, une réponse libre. En fait, c'est un peu comme un nuage de mots. Ah non, c'est une réponse libre. Alors, Eddie Lamarr, qui a inventé un secret communication system, était qualifiée de femme la plus du monde. Dit comme ça. Dit comme ça, la femme la plus du monde. Oui, non, c'était pas idéal. Mais je pensais que c'était Bruno qui allait la lire, donc forcément, j'étais pas bien préparé. Capricieuse. Effectivement, elle était qualifiée de femme la plus belle du monde. En fait, Hedy Lamarr était une actrice qualifiée de femme la plus belle du monde, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'elle était aussi elle inventait, mais c'était aussi une ingénieure, et elle a inventé un système un système secret de communication, en fait, qui permettait à un sous-marin de communiquer avec une torpille en changeant de fréquence de manière régulière pour éviter d'être intercepté. Et donc, elle a un brevet sur ce système, ce qui n'a pas empêché la marine américaine d'utiliser son système sans en payer les droits. Donc en fait, elle a perdu beaucoup, beaucoup d'argent avec ça, mais je crois que je suis pas sûr que ça l'a vraiment beaucoup tracassé. Je pense Voilà. qu'elle était quand même pas contente que c'était pas reconnu jusqu'à la fin de sa carrière, cette invention. Et aussi, elle a collaboré avec donc elle était actrice et productrice, réalisatrice après. Et elle a collaboré avec un musicien, avec un pianiste pour faire ça. Qui à la base, ils ont mis ça, un système de deux pianos, je pense, qui communiquent. Donc, ils ont d'abord inventé le système en utilisant le piano. Donc, c'était une actrice, un pianiste qui ont inventé ça au temps de la Seconde Guerre mondiale aussi pour intercepter des messages des sous-marins. Génial. Donc là, ça aurait été un exemple enfin, des créations musicales et artistiques auraient eu des applications, Oui, oui. comme on disait tout à l'heure. Oui, Génial. je connais ça du film, et il y a un film sur Hedy Lamarr, un film documentaire sur elle, qui D'accord. raconte de son histoire. D'accord. Génial. Le podium? Eh ben, Rebecca. Rebecca en deuxième place, Le fou Hugo. l'arrivée sur l'écran du faux Hugo, enflammé, comme Ça, c'est toujours d'habitude. une bonne chose. Ça devrait être le Hugo en feu, visiblement. Oui. Alors, question suivante, une question quiz. Un multi-select, plusieurs réponses correctes sont possibles, qu'ont en commun Hervé Le Tellier, Michel Audin et Claude Berge. J'ai réussi à déplacer la barre Zoom, c'est comme ça que j'arrive à Donc, lire la question. attention, vous pouvez répondre plusieurs réponses. Peut-être que plusieurs réponses sont correctes. Mais peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être qu'aucune réponse est correcte. Assez serré. Absolument.
Alors évidemment, c'est du multi-sélect. Donc, ce sont effectivement des écrivains, des écrivaines, tous les trois. Ce sont effectivement des mathématiciens et mathématiciennes. Michèle Audin est toujours mathématicienne active. Claude Berge est décédé. Hervé Letellier, je pense, ne fait plus de mathématiques. Il écrit. Et ce sont des oulipiens-oulipiennes. Alors, Olga, tu peux nous dire quelque chose sur l'oulipo? Je peux Ou dire pas un trop? peu. Un peu, je peux. J'ai appris que ça existe. Si j'ai bien compris, c'est un groupe de poésie, de maths, de poésie contemporaine qui était créé par un groupe de mathématiciens en France. Alors, Peut-être oh, vous je pense peut-être me que trompe. bah, Oulipo, c'est ouvroir de littérature potentielle. Ça a plutôt été créé. Alors, je ne sais plus qui l'a créé. Il faut que je vérifie si c'est Raymond Queneau et François Le Guillonnais dans les Oui, années c'est ça. 60. Donc plutôt Et écrivain. ils se. Bon, l'idée, c'est de faire de la littérature sous contrainte. Ils se donnent Y a des quelqu'un qui contraintes met et doivent Pérec dans écrire le sous contrainte. chat. Il y a quelqu'un Là, qui met Pérec Pérec. dans le chat parce qu'évidemment, Oui. le livre de Pérec s'appelle La Disparition, fait partie des œuvres les plus connues écrites De l'Oulipo, donc. par les Olympiens et Olympiennes. Et Hervé Letellier a obtenu. Et Bruno. Regarde ce qu'on m'a Oui. offert hier, et c'est pas une blague. Comment? On m'a offert ça hier. Donc je vois rien en fait. Donc tu ne T'es vois où? rien. C'est le livre Anomalie. D'accord. Anomalie qui a reçu le prix Goncourt, en fait. Oui. Alors en fait, c'est amusant parce que Hervé Letellier, il a été mathématicien, et dans le livre, il y a deux héros qui sont mathématiciens, un mathématicien et une mathématicienne. Et il y a une description des mathématiciens et des mathématiciennes par type, géomètre, topologue algébriste, théoricien des nombres, théoricienne des nombres, qui est assez truculente en fait, parce qu'elle est D'accord. très stéréotypée, mais elle a quand même quelques parties de vrai. Très bien. Il y a Stéphane Sauré dans le chat qui me propose de me dire la fin. Alors, je préférais pas. Oui, non, alors là, non. Voilà. Mais C'est pas. déjà, en fait, quand on entend à la radio, je trouve qu'on en dit trop à la radio sur le livre. Bon, voilà. Déjà, je trouve que Mais tu bon, en tu dis trop. verras, il est assez chouette, le livre. Très bien. Alors, juste une petite Mais je phrase à note. propos des Oulipiens et des Oulipiennes. J'avais noté qu'ils se décrivent comme des rats qui construisent eux-mêmes un labyrinthe dont ils se proposent de sortir. Voilà. Donc, ces contraintes sont un labyrinthe qu'il faut. Il faut éviter. Et Des donc fois, on a Claude l'impression Berge de était faire ça un en faisant des théoricien des maths. graphes. Pardon? Bruno, t'as pas l'impression de faire ça des fois en faisant des maths? Si. Mais je Quand fais des même. maths, pas de la littérature. Effectivement. Mais parfois, ce n'est pas moi qui crée le labyrinthe. Et donc, il y a une question dans le chat. Quel est l'auteur de ce livre? Bah, c'est Hervé Letellier, justement. Voilà. Les oulipiens oulipiennes sont cooptés. Pour appartenir à ce groupe, il faut être coopté. Et pour démissionner, il faut se suicider devant l'huissier. Voilà pour la dernière anecdote à ce sujet. Quand même. Coopté, c'est-à-dire? Et ben, tu dois être introduit par un autre ou une autre oulipien oulipienne. Ok. Par Voilà. contre, Bruno, je regarde le temps passe assez vite. Je propose de passer à la Ouais. question. Il nous reste cinq questions. Ça devrait pouvoir aller. Nina redescend et chiffrement l'appareil. Alors, quel artiste a écrit cette phrase? Le point géométrique est un être invisible. Il doit donc être défini comme immatériel. Du point de vue matériel, le point égale zéro. Tu as déjà fait une bonne blague dans la question, Bruno, en mettant Salvatore Dali. Ah oui. Ça c'était très bien. Bravo. Et donc, il s'agit bien de Kandinsky. Oui, aussi un N manque Ah au point bon? Alors Kandinsky. là, par contre, j'avais pas. Ça, je ne l'aurais pas repéré. Ah Désolé oui, pour ça. Kandinsky, oui, Kandinsky. effectivement. Donc, dans son livre, dont j'ai oublié le titre, qui est une théorie. Du point, de la ligne et de la courbe, une théorie de l'art. Voilà. Mais
Ça aurait pu être Euclide, c'est ça qui est joli. Oui. Oui, parce qu'il avait un rapport avec des formes très matérielles. Absolument. Le volume d'un objet ou l'air de un certain polygone, si c'était la même chose, il aurait dû recalculer deux fois parce que les centimètres au carré et les centimètres cubes, ce n'était pas pareil. Pour lui, c'était vraiment très présent. Très bien. Donc c'est Carole qui a plus gagné de place. Elle a monté de 6 places d'un coup. Bravo, Carole. Alors, si tu as un multi-select, plusieurs réponses correctes sont possibles. Une question à propos de Lewis Carroll, qui a peut-être écrit Alice au pays des merveilles, Peut-être. ou inventé une méthode de condensation de Dodgson, Qui sait? ou réalisé le film Jabberwocky, C'est possible. ou inventé les Snarks. Peut-être. Quel était le vrai nom de Lewis Carroll, Olga? Est-ce que tu sais? Bah, je pense que c'était Dodgson, n'est-ce pas? N'est-ce Tout à pas, fait. mes amis? Et je pense que la méthode de condensation, je me souviens avoir ouvert cet article, c'est une sorte de calcul de déterminant de matrice un peu plus rapidement que ce qu'on Oui. pourrait imaginer. Donc, oui, c'était un mathématicien qui, je pense en plus que cet article, il l'a écrit entre les deux livres sur Alice. Que c'était vraiment, il était déjà complètement en train d'écrire Alice au pays des merveilles, mais à un certain moment, il a pensé au déterminant et donc il a fait ce travail-là. Parce que c'est marrant, c'est pas du tout le truc que je ferais pour me détendre, moi. Entre deux énormes projets, je sais pas si je calculais des déterminants. Voilà. Peut-être il se Donc, détendait. C'était Alice au pays des merveilles pour se détendre oui, et le peut-être. déterminant, c'était C'est son possible. travail. Ça me paraît déjà beaucoup plus vraisemblable. Alors, 6 personnes ont répondu qu'il aurait réalisé le film Jabberwocky. C'est un peu un piège parce qu'il a écrit le poème Jabberwocky qui a inspiré Terry Gilliam pour le film Jabberwocky. Par contre, il a bien effectivement inventé les Snarks dans La chasse aux Snarks, qui est aussi un poème qu'il a écrit. Et ce qui est amusant, c'est que les mathématiciens et mathématiciennes ont récupéré le mot snark pour désigner un certain objet mathématique, c'est un graphe particulier. Le snark, Cette justement. fois, c'est la littérature qui a inspiré les mathématiques à nouveau. La littérature Podium? par un mathématicien, mais oui. En plus. En plus. 3 bonnes réponses à la suite pour Tania, qui revient en force selon le système. Alors, il nous reste quelques questions. Ah, une petite question détente. Où est-ce que vous habitez? Ça, c'est une photo de ta maison, Bruno. Ah, c'est la comté. Comme c'est beau à Luxembourg. Voilà, ça, il y a un peu de ça quand même. C'est le bord du lac d'Echternach. Je trouve que ça pourrait être le nouveau campus. Qu'est-ce que tu en penses, Bruno? J'ai toujours pensé que le campus aurait dû être placé vers le nord du Luxembourg, mais le problème, c'est la communication. Ce n'est pas très idéal. Effectivement. Ah, donc il y a des personnes qui vivent au même endroit, visiblement. Dans la comté ou à Echternach? Non, non, je dis par rapport Ah oui, d'accord. aux tailles des rectangles. Voilà. Ah, Si Olga, si on tu peux voit. encore prendre une capture d'écran, s'il te plaît. Avec plaisir. Avec quelqu'un qui habite à la maison, c'est pratique. Oui, quelqu'un invite avec les hobbits aussi. Ah, nous avons beaucoup de participants de Longwy et de Toulouse. Et De de Toulouse, Toulouse, c'est pas trop surtout. étonnant. Oui. Oui. Et Merci pour votre attention. de Pulse. Ça, c'est. Voilà. Et puis des gens plus locaux. Bah, il y a Longwy, il y a Nurtsange, Merche, La maison. la maison. Et plusieurs personnes d'Angoulême. Avec les hobbits, ça quand même. Ça, c'est. Il n'y a personne de Paris. Ah si, il y a quelqu'un de Paris, il y en a même plusieurs. Ici, ici, il y a Paris. Quand même. Très bien. Alors, petite question quiz. Ah, c'est pour Olga, ça. Enfin, c'est une question qu'Olga nous a fournie.
Quel Quel bâtiment bâtiment? a donné son nom à cet objet mathématique? Tu as bien fait de préciser la Tour Eiffel de Paris, Bruno, dans la réponse. Ah Je oui. trouve que c'est. Voilà. Souvent, on confond avec la Tour Eiffel de Belval ou de. Ouais, tout à fait. Bon, à Lyon, on a une petite tour Eiffel aussi, une haute partie de tour Eiffel à Lyon. Attends, beaucoup de gens ont trouvé la bonne réponse. Alors, t'en sais Alors, plus, Olga? oui, en fait, c'est une question qui est née dans ma tête il y a quelques années et moi, j'aime beaucoup cette question. Donc, la réponse, c'est la basilique Saint-Marc à Venise. Et en fait, c'est un objet fractal. Je pense que ce nom était donné par Benoît Mandelbrot, qui est un peu le père de la théorie des fractales. Et cette basilique Saint-Marc à Venise, Venise, c'est à côté de la mer, et parfois il y a des grandes arrivées d'eau sur la place Saint-Marc qui est assez dégagée. Et donc la belle cathédrale avec une coupole principale et après les petites coupoles à droite et à gauche, elle va se refléter dans toute cette eau qui est arrivée. Après que comment ça s'appelle après la montée d'eau et donc on va avoir un objet qui est symétrique qui a un axe de symétrie horizontale et donc c'est pour ça que cet objet Mandelbrot l'a appelé basilique. Un très 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 bon titre moi je trouve magnifique titre qui rentre dans la tête d'un mathématicien qui observe le monde autour de lui aussi et pas que le monde mathématique dans sa tête. Absolument. Il y a une Alors, question apparemment, dans on le l'appelle chat. aussi le dragon de Mandelbrot. Olga, il y a une question dans le chat pour toi, en disant que c'est presque un lapin de Douai. Oui, il y a un autre objet, en effet, une autre fractale qui s'appelle un lapin de Douai. Ça ressemble moins à un lapin, à mon point de vue, un vrai lapin, parce que c'est aussi une forme fractale comme ça qui a une grande composante, comme on dit en mathématiques, en grand corps. Et après, il y a les oreilles. Il y a deux oreilles en haut et deux oreilles en bas. Et après, plein, plein, plein de petites oreilles partout. Donc, c'est un lapin à quatre oreilles. Voilà. Oui, voilà. Julien a raison. Le lapin a deux oreilles. Mais notre lapin de Douai, voilà, il a quatre oreilles, si j'ose dire. Mais voilà, ça s'appelle un lapin. Un lapin de Douai. Douai qui était aussi un mathématicien. Et deux pattes, oui. Oui, peut-être c'est des pattes, mais regardez ce dessin, si ça vous paraît ressemblant à un lapin. On regardait la question sur le lapin pour le l'astigmate de Pâques. Voilà. C'est une très bonne idée, en effet. Alors, le podium. Quand même, Gauthier se maintient en première place. Nono est de retour, avec trois bonnes réponses d'affilée. Alors, eh bien, on arrive peut-être à la dernière question. Même sûrement. Une question quiz, mais multisélect. Plusieurs réponses correctes sont possibles. Que voyez-vous? C'est amusant parce que malgré le fait qu'il y ait quatre réponses, je dois dire que la première réponse qui m'était venue à l'esprit n'est pas dans la liste. Pensais à quoi? Non, je ne vois pas pourquoi tu me poses cette question, Bruno. C'est nous qui posons les Tu en as questions. dit trop peu ou Oui, trop? en Russie, on dit si tu as dit A, dis B, mais bon, je ne vais pas insister. Alors, effectivement, de quoi s'agit-il? Il s'agit d'un vieil os trouvé en Afrique et avec des traces possibles d'arithmétique datant de 20 000 ans. Pourquoi? Eh bien, c'est un os qu'on appelle l'os d'Ishango parce qu'il a été trouvé avec d'autres os du même type dans la région d'Ishango au Congo belge à l'époque, je crois que c'était dans les années 50, et donc qui contient des entailles. Et certains ont écrit des articles sur le fait que ça pourrait être des traces d'arithmétique en essayant de chercher des relations arithmétiques entre le nombre d'entailles. Mais d'autres ont dit, ben non, c'est juste des entailles. Ils ont, voilà, quelqu'un a fait des entailles dans l'os. Et puis quel Mais ce âge qui est aurait cet sûr, c'est que os? ça a été fait il y a plus ou moins 20 000 ans. 20 000 ans, ok, d'accord. Donc c'est quand même vieux. Si c'est effectivement des traces de calcul ou d'arithmétique, ben ça fait partie des plus anciennes traces arithmétiques du monde. Eh ben, Voilà. incroyable. Eh bien, on peut vite peut-être voir le podium final.
Incroyable. Chiffre molle en troisième De position. bronze. Raphaël, médaille d'argent. Et Et Gauthier, Gauthier. sans surprise, hein, on peut le dire. Oui, Ouais. il l'a eu. Bravo, Gauthier. Peut-être la première fois que quelqu'un a été premier du début jusqu'à la fin, ou presque. Enfin, il n'était pas premier, peut-être à la première question, mais il était dans les trois premiers, dès le début. Bon, bah bien Eh bien, joué. bravo à tous et à toutes. Alors, on va peut-être donner la parole à Ouria, qui voulait nous parler un peu du festival, si tu es là, Ouria. En attendant, vous êtes invité à nous laisser des petits messages dans le chat. Je peux vous Ouvrez. montrer peut-être le slideshow. Si vous allez sur astigmate.ulu, vous pouvez vous abonner sur la page Facebook d'Astigmate ou alors sur la liste de diffusion d'Astigmate. Ouria, es-tu là? Oui, je suis là. Alors, rapidement, merci. Voilà. Merci à Olga, Bruno, Hugo. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce quiz dans le cadre du Festival des maths dans tous leurs états. À partir de la semaine prochaine, nous intervenons dans les classes. On a plus de 122 classes dans l'Académie de Toulouse et l'Académie de Montpellier. Et puis, on continue toute la semaine jusqu'au 29 mars, des conférences. De chercheurs, chercheuses de la région Occitanie, mais aussi du Mexique, Japon, de la Tunisie, une association tunisienne qui va proposer un concours de quiz, Matkaout. Donc, n'hésitez pas d'aller voir sur le site Les Maths en scène, toutes les informations. Et je vous remercie à toutes et à toutes, et merci à notre marraine d'avoir présenté avec Bruno et Hugo ce quiz. À bientôt! À bientôt, Ria. Merci pour ton accueil. Merci pour l'accueil de l'association et pour la communication que vous avez fait autour de l'événement. Et puis, bonne chance pour le festival. Et bonne fin de festival. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Puis, Merci. eh bien, c'est l'heure de nous quitter. Oui, merci beaucoup à Bruno et Hugo d'avoir préparé tout ça, toutes ces questions. Et pour ceux qui sont encore là, n'oubliez pas de manger du gâteau. Vous avez encore, si vous êtes en France, 5 heures pour le faire, pour célébrer la journée de Pi et de mathématiques. C'est aussi la journée internationale de mathématiques. Absolument. Et quelqu'un fait remarquer dans le chat qu'on n'a pas posé de questions sur Pi, ce qui est vrai. Oui, mais vous savez déjà tout sur Pi. Ah bon? Ah oui, c'est pour ça. Ah oui, je vois. C'était donc pour ça. Voilà. C'est pour ça. Parfait. Impeccable. Eh Bon. bien, bonne soirée à Bonne tous et à toutes. journée, bonne Merci soirée. beaucoup.